Gardé dans un lieu secret, Alpha Condé n'est pas prêt à abandonner le combat. Selon une source proche des forces spéciales, le président déchu de la Guinée ne veut toujours pas quitter les affaires malgré son arrestation. Conséquence, il refuse de signer sa démission qui facilitera à coup sûr la tâche aux putschistes. Par ailleurs, il ne souhaite pas manger la nourriture que lui proposent les putschistes. Il a demandé à ce que son cuisinier personnel lui prépare ses repas, faute de quoi il ne s'alimente pas. Alors bonsoir et bienvenue à tous. Installez-vous bien pour plus de détails. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Alpha Condé refuse de signer sa démission. Il a demandé à ce que Jérémy, son cuisinier personnel d'origine togolaise, lui prépare ses repas, faute de quoi il ne s'alimente pas, révèle le journal. Alpha Condé, qui a toujours le soutien de la communauté internationale, a du mal à se rendre compte qu'un pas s'est tourné dans sa vie. En réunion extraordinaire ce 8 septembre 2021, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de suspendre la Guinée de l'institution sous-régionale. Ils réclament la liberté d'Alpha Condé et le retour à l'ordre constitutionnel. Selon les sources, ce refus du président guinéen de signer sa démission risque de prolonger sa détention. Alpha Condé croit toujours pouvoir renverser la vapeur. En effet, quelques heures après son arrestation, puis son enlèvement, ses proches collaborateurs relevaient que la bataille était loin d'être perdue. Alors la force spéciale dirigée par Mamadi Doumbouya va être suivie par le reste de l'armée. Les forces fidèles à Alpha Condé n'ont pas dit le dernier mot. Mais le président est bel et bien entre les mains des putschistes pour l'instant. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions dans les commentaires. Bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.